Aujourd'hui, je vais tester ton niveau d'attention avec des défis visuels courts, mais vraiment casse-tête. Est-ce que tu vas réussir à trouver toutes les bizarreries dans ces images? C'est parti! Voici deux femmes dans un ascenseur. L'une des deux travaille dans ses bureaux et l'autre est venue pour passer un entretien. Laquelle des deux travaille ici? La femme de droite a un badge avec son nom dessus, alors que celle de gauche n'en a pas. Il y a un ananas étrange dans cette image, lequel? Tu n'as que 5 secondes pour le trouver. C'est celui-ci, dans le coin. Il n'a que 3 feuilles, alors que les autres en ont 4. Ok, on complique un peu la tâche. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette image? Fais vite! Un robinet qui sort d'un tronc d'arbre et une noix de coco violette, c'est un peu bizarre, non? Tu as 3 desserts devant toi, mais un seul d'entre eux est sans danger. Lequel? Les fraises avec de la chantilly, c'est super bon. Mais regarde ces moucherons, ils sont très intéressés par ce dessert et c'est très mauvais signe. Il y a un verre dans la cerise posé sur le muffin. Donc, la meilleure option, c'est la glace. Voyons voir si tu as une bonne vue. Combien de chiffres vois-tu dans cette image? Il y a les chiffres suivants. 1, 2, 3, 7, 5, 0, 8, 6, 9. Regarde ces 3 tableaux. L'un d'entre eux est faux. Lequel? Le deuxième. Il est daté de 1950, mais il représente un tigre avec un smartphone. Il n'y avait pas de smartphone à l'époque. Tu es perdu dans les bois. Tu as froid et très faim. Soudain, tu te retrouves dans une clairière et tu découvres 3 jolies maisons. Que dit ton instinct de survie? Quelle est la seule maison sans danger dans laquelle tu pourrais entrer? La maison sur la gauche a un gros verrou sur la porte et les fenêtres sont barricadées. Impossible d'entrer. La deuxième maison a l'air tout à fait sûre au premier regard, mais regarde toute la neige autour. Il y a des traces de pattes d'ours qui mènent à l'entrée. Pas très sympa d'être accueilli par un grizzly affamé. L'option la plus sûre est donc la troisième maison. Lequel de ces deux hommes n'est pas spécialement intelligent? Alors, laver son chat de temps en temps n'est pas une mauvaise idée, même si le chat n'est sûrement pas d'accord. L'homme sur la gauche est donc tout à fait normal. Celui sur la droite, en revanche, regarde l'emballage des croquettes qu'il a dans la main. Il donne des croquettes pour chat à son chien. Ce n'est pas spécialement une bonne idée. Qu'est-ce qui cloche dans cette image? La femme assise dans le fauteuil a 2 chaussons différents aux pieds. Il y a un petit contraste chronologique dans le tableau accroché au mur. Il représente un homme de l'ère victorienne avec un appareil photo autour du cou. Laquelle de ces 3 images a quelque chose de louche? La deuxième. La fille mange sa soupe avec une fourchette. L'un des enfants dans cette image s'est sauvé en se faufilant par la fenêtre de sa chambre dans la nuit. Puis il est rentré. Lequel? C'est celui dans le coin en bas à droite. Il porte encore ses chaussures. L'un de ces voyageurs est suspect. Lequel? La femme sur la droite part en Indonésie, mais elle a mis un gros manteau et une écharpe dans sa valise. À ton avis, qui va gagner ce concours de tir à la corde? On parie?
Si tu as parié sur l'équipe de droite, tu as gagné. Ils ont une personne de plus dans leur équipe. Elle est juste en dehors du champ de vision. À ton avis, combien d'entretiens cet homme a-t-il passé ce mois-ci? Oh non! Il en a passé 5 ou 6. Il y a 6 post-it sur le calendrier, mais le petit carré qui indique la date est placé sur le 26. Il a son prochain entretien le 28. Quelque chose cloche dans cette image, mais je n'arrive pas à voir ce que c'est. Peux-tu m'aider? Il y a un oiseau dans cet aquarium. Quelle main n'a rien à faire ici? La troisième, c'est la seule main droite. Les autres sont toutes des mains gauches. Il y a 3 personnes dans un laboratoire, mais l'un d'entre eux n'est pas qui il prétend être. Qui donc? L'homme de droite, il porte un faux badge sur sa blouse. Ce hall est rempli d'invités extravagants. Mais l'un d'entre eux est encore plus extravagant que les autres. C'est un fantôme. Où est-il? Regarde cette femme sur la gauche. Ses pieds sont presque transparents. C'est certainement elle, le fantôme. Tu vas avoir besoin de tes qualités d'observation, mais aussi de ton sens de la logique. Laquelle de ces 2 théières peut contenir plus de thé? Celle de gauche est plus longue, mais celle de droite est plus large, donc a priori, elles peuvent contenir la même quantité de thé. Mais le bec de la longue théière est à la même hauteur que celui de la théière large. On ne peut donc pas la remplir à ras-bord. C'est donc la théière large qui peut contenir le plus de thé. Qui n'est pas venu seul dans ce café? La fille derrière la table du milieu. Il y a 2 tasses de thé devant elle. L'un de ces 3 fêtards s'est récemment évadé de prison et il ne s'est pas débarrassé de toutes les preuves. De qui s'agit-il? L'homme de droite. Il a encore ses menottes au poignet. Le propriétaire d'une galerie d'art a vendu un tableau à un collectionneur. Il lui dit qu'il s'agit d'une œuvre d'un artiste inconnu du 18e siècle. Le jour suivant, l'acheteur, mécontent, rend le tableau au propriétaire de la galerie et lui demande de lui rendre son argent. Observe le tableau et dis-moi pourquoi. Eh bien, il ne devrait pas y avoir d'avion dans un tableau du 18e siècle. Quelqu'un a cambriolé une maison dans un quartier riche. Le voleur a dérobé plusieurs objets de valeur. La police a un suspect et les officiers vont l'arrêter chez lui. Le suspect dit à la police qu'il n'a pas quitté sa maison depuis la veille. Les officiers de police comprennent immédiatement qu'il ment. Pourquoi? Regarde le casque accroché au guidon du scooter. Il est à l'envers. Étant donné qu'il a beaucoup plu, il serait plein d'eau à ras-bord si vraiment il était resté accroché comme ça depuis la veille. Un officier de police interpelle un homme qui est assis dans une voiture devant la porte d'entrée d'un hôtel. Il lui met une amende. L'homme dans la voiture est scandalisé. Il affirme qu'il n'est là que depuis 2 minutes et un panneau indique que les arrêts de moins de 5 minutes sont autorisés. L'officier est certain que l'homme ment. Pourquoi ? Il a beaucoup neigé, et le toit et le capot de la voiture de l'homme sont encore recouverts de neige. S'il était vraiment arrivé il y a 2 minutes, la neige aurait été emportée par le vent pendant le trajet, ou elle aurait fondu. Tu as 3 passeports devant toi, mais seuls 2 d'entre eux sont vrais. Quel est le faux passeport et pourquoi? Celui de droite est faux. Les photos des passeports devraient être prises devant un fond blanc, mais là, il n'est pas blanc du tout.
Laquelle de ces deux personnes cherche des ennuis? Ce n'est peut-être pas l'endroit le plus recommandé pour surfer, mais si cette fille est une surfeuse professionnelle, elle ne devrait pas avoir de soucis. Par contre, l'homme avec sa musique à fond n'est pas en sécurité. Les bruits forts comme les cris ou la musique peuvent causer des avalanches en montagne. Jason dit qu'il vient de rentrer d'un voyage en Antarctique et il montre à ses amis les photos qu'il a prises. Rien à signaler sur les photos, mais un de ses amis pense que Jason ment. Pourquoi ? Regarde le visage de Jason. Il a la marque du bronzage de ses lunettes.